promu Fontenay-Luçon qui avait remporté deux de ses cinq premiers matchs avait fort à faire dimanche face au solide leader Ils-sur-Vienne. Ils-sur-Vienne qui marque un premier essai après 11 minutes de jeu par Rapnouille, transformé par Kondachou. Ça fait donc déjà 7-0. Il y aura une pénalité ensuite pour Ils-sur-Vienne, 10-0. Nouvel essai pour l'équipe de la Haute-Vienne avec deux mineurs, ça fait 15-0. Il est transformé 17-0. Encore un essai après 25 minutes de jeu non transformé, 22-0 pour Ils-sur-Vienne. Essai du numéro 13 ensuite, Valadas qui porte le score à 27-0 et puis Kondachou qui transforme 29-0. C'est le score à la mi-temps en faveur d'Ils-sur-Vienne. Ils-sur-Vienne qui réinscrit un nouvel essai en début de seconde période par Félizon. Il n'est pas transformé, 34-0. Nouvel essai ensuite à la 47e minute, 39-0 pour Ils-sur-Vienne. Fontenay réussit à inscrire un essai par Maxime Cady, ça fait 41-5 puisque l'essai n'est pas transformé. Ils-sur-Vienne qui va encore enfoncer le clou tout au long de cette deuxième mi-temps avec un nouvel essai de Valadas, puis un nouvel essai de Pinchot. On en est à 53-5. Rapnouille va inscrire encore un essai qui va être transformé par Kondachou, 60-5. Et enfin, un dernier essai de Léhi pour Ils-sur-Vienne, transformé par Kondachou, score final 67-5.